Mes petits vautours, mes petits vautours. Ben voilà. Voilà comment on aime commencer un vlog avec quelqu'un qui a un visage plutôt correct, déjà maquillé, qui ne s'est pas levé à 5h45 du matin. Alors c'est parti pour un nouveau vlog. Let's go. Cette semaine, les amis, je n'ai pas les enfants, ils sont chez leur papa. Ce qui n'empêche pas d'avoir un planning de folie et donc j'avais envie de vous emmener avec moi. J'espère en tout cas que ce nouveau... Qu'est-ce que... Pigeon dans le jardin! Bon, en tout cas, ce qui est très cool, c'est que vous avez l'air de kiffer les vlogs, et j'aime vraiment bien les faire. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas un par semaine, quand c'est réalisable. On va passer encore une petite journée ensemble, why not? Bah c'est moi, le roi Bertini. Mais regardez, je suis comme un cocompate, je suis bien loti, je suis dans mon petit nid douillet que j'adore, je suis bien, je suis dodu. Alors c'est parti, premier stop de la journée. Je dois faire une... on a la... Le papier avec les questions? Le papier avec les questions pour l'interview, on l'a pas. Ben donc je dois faire une photo sur l'ordinateur. Tu l'as? Ok. Alors je collabore avec... Fais ça dans ta voiture. Quoi? Fais ça quand t'es dans ta voiture. Je suis dans ma voiture. Pas quand t'ouvres ta porte. Je vais poser des questions à des étudiants ou des jeunes qui ont terminé une formation en alternance pour un petit peu sensibiliser les plus jeunes à différentes alternatives qui existent au niveau de l'enseignement. Et donc voilà, je trouvais ça très cool et j'avais envie de participer à ce projet. Et Bernoop est avec moi aujourd'hui. Bon, on est arrivé et on est évidemment à la bourre. Parce qu'on vient de s'apercevoir qu'en fait on a rendez-vous en plein milieu d'une forêt. On ne sait pas pourquoi, apparemment, c'est là que ça se fait. Donc on va devoir marcher dans le bois de la Cambre et essayer de trouver le lieu du tournage. Ce qui me semble un peu compliqué pour l'instant. Écoute, on va faire une petite balade. Mais comment est-ce que ces voitures sont arrivées là? C'est ça que moi je me demande. Toutes les routes qu'on voulait prendre ne menaient pas à Rome. C'était quand même un peu drôle. Ça va, c'était moyen drôle. Eh ben c'est champêtre ici. Ouais. On vient jamais se balader ici, hein. Putain, t'inquiète pas qu'on a évidemment les deux seuls pignouf qui avons pas... qui avons dû traverser la forêt. Oh putain, je vais être dégueulasse, quoi. Allez, franchement. Comment est-ce que ces gens sont arrivés, là? Putain, quoi. Oh, il fait dégueulasse. Vous allez bien? Oui, bien. Très, très bien, merci beaucoup. Ça a été pour arriver jusqu'ici? Oui. Voilà l'envers du décor d'aujourd'hui. Tournage spécial formation en alternance. Et voilà nos jeunes qui ont tous suivi une formation. Hello! Et action! Est-ce que vous pouvez me citer justement quelques formations qu'on peut faire par exemple, les vacances immobilières. Je vais pouvoir leur poser plein de questions. C'est parti, on y va. Super. Voilà, on vient de terminer ici le tournage pour les formations en alternance. Maintenant, je vais vite passer au bureau parce que je dois récupérer des colis. Je pense qu'on va quand même essayer de se trouver un petit truc à manger, non, Birns? Tu n'as pas faim? Le mec, c'est ça. C'est vraiment un enculé, mon vieux. Allez, c'est parti, on continue. Et ensuite, on va aller chez Pentagone pour choisir la peinture pour la maison. Putain, mais tu sais que j'ai trouvé à qui tu ressembles. Ton visage me fait trop penser à un gars d'un film. Et j'arrivais plus à me souvenir de qui c'était. Et là, telle une lueur d'espoir, telle un éclair dans ma tête. Une lueur d'espoir. Ça m'est venu. Tu ressembles au papa dans le premier Amityville. T'as la même gueule que ce type. Voilà, on vient d'arriver à Jambes et on est à la boutique principale de Pentagone. Alors ce qui est quand même chouette de savoir, c'est que toutes les peintures de chez Pentagone, elles sont A+, ce qui veut dire qu'elles sont respectueuses de l'environnement, mais aussi respectueuses de votre santé. En plus, ce sont toutes des peintures qui sont lavables.
Donc, ce qui veut dire que dans le temps, ben, vous allez pouvoir les entretenir et vous ne devez pas repeindre vos murs d'ici 2 à 3 ans parce qu'elles se sont abîmées ou parce qu'il y a des taches dessus. Et là aussi, pour l'environnement, ben, c'est quand même mieux de repeindre dans 10-15 ans plutôt que tous les 2 à 3 ans. Vous pouvez faire un échantillon sans aucun problème. Et ça, c'est vraiment une super couleur. Ouais. Et ça, j'ai remplacé en fait ce qu'elle avait dit. Ce qu'elle nous avait proposé au départ, c'était le divine. Oui, mais j'ai trouvé ça beaucoup trop gris, en fait. Il est vraiment ça. Oui, il est fort gris. C'est un gris. C'est beaucoup plus lumineux, celui-là, tout en ayant une petite touche un peu plus chaleureuse qu'un blanc. Oui, c'est ça, exact. Et ça, c'est trop froid. Oui, c'est un peu métallique, un peu ciel, comme ça. Ouais. L'oriental rose, qui est le... Ah, ben, il est là, regarde. Ah, ça, c'est très beau aussi. C'est tout à fait anglais. Oui, ça, c'est parfait. Et ça, c'est la salle de bain qui est... attenante à la chambre, donc ça va magnifique. Super bien ensemble. C'est mieux, hein. Moi, il me semble. Okay. Franchement, je trouve que c'est très bien. Tu risques de ne pas mettre en valeur la foncée par rapport à celle-là. Mais celle-là, tu vas y arriver. Ça, c'est parfait. La Bruxelles. Elle est belle, celle-là. Alors, voilà les couleurs qu'on a choisies pour la maison. Je vais vous montrer. Donc, ici, on est pour le bureau qui sera ma pièce Silent Jill, donc mon décor Silent Jill. Et au niveau des couleurs, on est sur le Lounge Lover et le Brussels. Ici, ça, ce sera pour la future chambre bébé ou chambre d'amis, on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire de cette pièce-là. Mais au niveau de la couleur, on est sur le Sweet Dreams et sur le Havana. Ça ici, c'est le Pastel Green et ça... ce sera pour les meubles sur mesure et pour un mur de la salle à manger. Ici, ça c'est pour la chambre de Bella. Et donc là, c'est le Floral Muse. Et on est sur le Oriental Rose. Ça va être super beau. Et on a choisi un très très beau papier peint chez Tenue de Ville pour sa chambre. Alors ici, ça c'est la salle de jeu. Et ça, c'est le Mint Blue. Et alors ici on a le 70s, ça ce sera pour la chambre des garçons avec un papier peint aussi. Et alors ça ce sera pour le restant de la maison en bas et c'est le New Cottage. Et donc ça va donner un côté très chaleureux et donc on reste vraiment sur des tons pastels, c'est très doux. Mais en même temps ça reste chaleureux, on n'est pas sur des teintes qui sont froides et donc ça c'est vraiment bien. Bon, eh bien, les gars, dernière chose de la journée, on est très clairement sur du gros rangement et sur les préparatifs du déménagement. Alors, pour tous ceux qui sont en déménagement, franchement, les gars, vous avez absolument tout mon soutien. Bon, ici, c'est déjà bien vidé. Mais il y a encore du taf, hein. Bon sang de bonsoir, c'est l'enfer. Je déteste ça. Franchement, je vous jure, j'ai juste l'impression que ça ne terminera jamais. Ah, c'est vraiment l'enfer, c'est vraiment l'horreur. J'ai envie de pleurer. Tu la vois cette tête qui est au bout du Rolls ou pas? Bonjour. Et c'est loin d'être fini. Bienvenue chez moi les gars. Bordel de cul. On peut pas juste les faire venir et leur dire écoutez vous jetez tout. Prenez tout, jetez tout. Je sais tout à la poubelle. Je ne veux plus rien garder. Je n'ai plus besoin de rien. Ça me saoule. Ouais, ça sent le travail. J'ai mal au dos. Aïe! J'en peux plus. Oh, j'en peux vraiment plus. Je vais mettre la télé et j'arrête pour aujourd'hui. On a bien avancé, n'empêche, hein, regarde. Est-ce que je ressemble encore à quelque chose? Bof, hein. C'est pas ouf, hein. Allez, bon ben en tout cas, j'espère vraiment, vraiment que ce vlog vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, lâchez un pouce bleu. On se voit très prochainement. Allez, je vais pas pouvoir utiliser, ça va être flou. C'est pas flou du tout. On se voit très prochainement pour une nouvelle aventure. Ciao. Merci Bertou. Merci mon filabout. Frimantel. Virus, Mirabelle, Rabat, Groupouk.